J'ai fini dans un restaurant, vous avez mangé des pâtes sans moi. De quoi t'es vieux, je me peux te mettre avec eux là. Ouais. C'est toi là, la chatte qui a meilleur son. Franchement. Après, il va bouffer des chocolats. Putain, mais c'est dingue, j'arrive pas. Parce que le pied, c'est ça. Du coup, tu vois. Allez, on y va, attention. Alors, il y a quelqu'un dans la crème à Nick. Oui. Et là, on est là. Ici. Je vais vous dire quand c'est parti, ok? 3, 2, 1, go! Et c'est en français? Oui, c'est en français. Bon anniversaire, Cabo! Bon anniversaire, Cabo! One year de Cabo! Et bienvenue, hey! C'est le troisième soir de l'anniversaire interview. Et cette soir, on a no jazz. Non! Hey, I want to tell you, c'est pas la première fois que j'ai le vu. Hey, je vous kiffe grave, man. I mean, jazz funk. I mean, that's a powerful mix. You know what I'm saying? Is that just for QT, man? If you tap his feet, you get up and dance, man. Funky brothers, bad men here. Bad men. Hey, my brother Philip Vellatier. Yeah. Brother Alexander Erickson. And brother Philip Salon. Now, I just want to ask you, for inspiring and motivated jeunes, it's great. You know, you got to keep on teaching on an educational level. I was just like to ask you, at quel âge tu as commencé à jouer ton saxophone? J'ai commencé, j'avais 14 ans au saxophone. Et j'aimais bien le rock et puis j'aimais le jazz aussi. Et brother Alexander? J'avais 10 ans quand j'ai commencé à jouer. 10 ans. Et qui a acheté ton premier instrument? Le parent. Go ahead, go ahead now. Bravo now. Et brother Philip? Moi j'ai commencé un peu plus tard. C'est venu avec une confiance en moi à 25 ans. Mais à partir du moment où la confiance était là, ça y est, j'étais super mal. Et une nouvelle chanson que j'ai écoutée aujourd'hui. Oh man, j'ai kiffé quoi? Change. Change the world. Yeah. And when I heard, you know, the mama in there, like the love for the mama, man, the more for the mère. Hey, my mère, je pense que directement de ma mère, et ma soeur, et tout, man. And the lyrics said, très spirituel, très positif. And no jazz, c'est sans frontières, parce que c'est tout de moi, et solid, man, crisp, man. And, qu'est-ce que vous pensez de le nouveau Cabo? Ça reste un endroit incroyable parce qu'il y a énormément de musiciens qui sont habitués de venir. Donc quand on vient ici, on est sûr de rencontrer des amis. Il y a de la bonne musique. L'accueil du Cabo, c'est toujours aussi bien. Donc, et en plus, c'est plus beau qu'avant. Il y a un son, il y a un bon son. Et il y a un bon son. Pour le musicien, c'est important. Yeah, when I heard the drums go pap pap pap, the micro on top, man. On keep it grave, man. On keep it grave ici, man. Et on espère que le Cabo va continuer comme ça indéfiniment. Parce que c'est un endroit important à Paris. Yes, c'est très important. Alors, c'est malheureux quand c'est défendu. Oh, mais yo, especially moi. C'était très triste. Mais là, je suis très contente. Et je kiffe ce frère là, man. C'est comme famille, parce que je vous connais depuis des années, man. Et je suis toujours là. Et c'est comme toujours, c'est comme le premier jour de ma vie. De QT. Parce que c'est le jazz, le no jazz, le living jazz, man. You can feel that to your DNA. And I want to say I love you, man. Hey, and any last words that you want to say, anything? Bon, on est d'abord ravis de jouer ici avec No Jazz, c'est rare dans des clubs. Donc on est ravis, on va faire la fête ce soir. Mais surtout on va faire la fête, mais on va sortir un album à la rentrée. Et là on va présenter pour la première fois au Cabo. Bon voilà, le Cabo a vraiment une... Ce soir, on va jouer des nouveaux. Et on a choisi le Cabo, voilà. Le prochain, ça va être le Zénith, mais là, c'est le Cabo. On va faire des nouveaux morceaux ce soir. Et donc, on va se mettre... En fait, les clubs de jazz, c'est qu'on peut se permettre de prendre des risques. C'est ça qui est bien déjà dans la musique de jazz, c'est ça qui est bien. Mais dans les clubs, il y a une proximité avec les gens qui fait que
on peut pas mentir. Donc dans ces moments-là, on prend des risques parce qu'on peut pas mentir. C'est beau ce que je dis. Non mais plus, c'est vrai. Donc du coup, on y va. On sait que les gens qui sont devant nous, ils vont nous aider en fait. Nous on va être transportés par le retour des gens. Et justement, on se permet de faire 4 nouveaux titres ce soir. Et parce qu'on est sûr que voilà, enfin, on a envie que ça prenne, mais je pense qu'on est assez optimiste pour penser que ça va prendre. Et on a besoin de ce genre de date pour débrider un peu les morceaux. On a vu tout à l'heure à la balance, on a un peu peur, mais ça va faire. Ouais, ah, oui. C'est l'optimiste du groupe. C'est le magique de Cabo. C'est powerful. And these brothers, they go out on the big stage. We always come back to Cabo with small ambiance, but the spirit is the living spirit. Because jazz is coming in and making it happen with the spirit. So all the spirits has been in here before. And it's always a living thing. We feel it, man. And see, Uwe Kife comes. You know Kife? Man, Uwe Kife, baby. Uwe Kife, man. One love, man. Hey, what did I miss that? What did I miss that? What did I miss that, Cabo, man? Et là, t'as pas vu la musique. Don't forget your smartphone, man. Yeah, it's in the can, man. We love it, man. Peace, man.